Ouais, shalom, shalom, le prophète Joël Crasso, n'est-ce pas le maréchal de la brigade anti-sorcière? Voilà, donc je vais avoir une directe tout de suite, n'est-ce pas, pour tous ceux qui sont déjà en ligne, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Recevez la grâce de Dieu sur vos vies. Voilà. Vous allez prendre la chose. Aujourd'hui était un jour très important parce que ça va nous permettre de rentrer dans une autre phase de prière en direct. Nous allons prier en direct par la grâce de Dieu. Nous verrons par la grâce de Dieu de prier en direct. Shalom, shalom, nous sommes aujourd'hui à cette date aujourd'hui, n'est-ce pas, du mercredi 11 décembre 2018. Voilà, nous sommes à quelque part de fin d'année. Nous sommes dans les quelque part de fin d'année. Voilà, commencez déjà à vous connecter parce que c'est vraiment important. Nous allons avoir des prières en ligne, en direct, des prières de délivrance et de restauration en ligne. En même temps que je suis sur ma page Facebook, je suis aussi également en direct au niveau du YouTube. Voilà, donc ceux qui sont déjà sur le YouTube, déjà en direct, peuvent déjà suivre à partir du YouTube, déjà en direct, déjà sur le YouTube. Ils peuvent déjà suivre ce direct. Et encore, ceux qui sont sur ma page Facebook, je vous demande de commencer à partager. Pour ceux qui sont sur la page Facebook, commencez à partager la vidéo parce que c'est vraiment important, c'est vraiment important. On aura des prières en direct tout à l'heure. On aura des prières de déprogrammation. Nous sommes en fin d'année et c'est en fin d'année que le diable travaille, n'est-ce pas? C'est en fin d'année que le diable, n'est-ce pas, programme, n'est-ce pas? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons déprogrammer tous les systèmes mis en place par les œuvres de la sorcellerie. Commencez à partager la vidéo dans les différents groupes, par la grâce de Dieu. Le temps que je mette la musique et que vous commencez déjà à écouter cette musique. Voilà. Commencez à partager la vidéo. Commencez à partager la vidéo. C'est important. Voilà. Que Dieu bénisse. Commencez à partager la vidéo. Voilà. Shalom, shalom, shalom. Aujourd'hui, nous verrons en direct. Voilà, commencez à partager la vidéo. Commencez à partager la vidéo. Soyez bénis, soyez fortifiés dans la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Voilà, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette année, que la main de l'Éternel soit tendue sur ta vie. Et que toute forme de programmation, la mort qui a été programmée sur ta vie, la programmation d'accident, tout le système de la sorcellerie, sur ta vie soit déjà déprogrammé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déprogramme tous les systèmes de la mort sur ta vie, tous les systèmes de la mort programmés contre toi et maintenant déprogrammés par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, dis amen, je reçois. Pendant que tu seras en train de regarder cette vidéo, la puissance de Dieu va te localiser et cette puissance de Dieu viendra jusqu'à toi pour te délivrer. Voilà, nous sommes en live, en direct, n'est-ce pas? C'est un direct de miracle, c'est un direct de restauration, un direct de délivrance. La puissance de Dieu viendra jusqu'à toi et cette puissance de Dieu t'accordera maintenant la délivrance. Elle t'accordera maintenant la délivrance par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Commencez à partager la vidéo. Recevez la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu chez toi. Reçois la gloire de Dieu. Je suis le prophète Joël Crasso, sans toutefois me répéter, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes en fin d'année. Voilà, nous sommes en quelques semaines par la grâce de Dieu de fin d'année. Et c'est vraiment important pour moi de prier pour vous en tant qu'homme de Dieu. Vous savez, c'est le spirituel qui fait le monde visible. C'est le spirituel qui fait le monde visible. La Bible dit que tout ce que vous déliez sur cette terre sera délié dans les cieux. Et nous savons que généralement en fin d'année, vous le savez très bien, plus que moi,
que le diable programme des choses, le diable programme ses esprits afin de pouvoir nuire à la vie, n'est-ce pas, de certaines personnes. Or, la Bible dit, tout ce que vous déliez sera délié. Alors, la programmation faite par le diable, n'est-ce pas, en fin d'année, a une raison pour renouveler les pactes, n'est-ce pas, les pactes, parce que le diable travaille aussi beaucoup avec le sang. C'est pour ça que vous allez voir en fin d'année les problèmes d'accidents, les problèmes, n'est-ce pas, les morts, les morts en cascade, n'est-ce pas. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, le système mis en place par nous aussi, c'est de déprogrammer. Et c'est ce que nous serons en train de faire par la grâce de Dieu, de programmer aussi. Bien-aimé, si tu ne fais rien et que tu es assis et que tu penses que les choses vont se passer comme tu le veux, rien ne pourra se passer ainsi. Voilà, rien ne pourra se passer ainsi. Voilà, donc la Bible dit que tout ce que vous déliez sera délié. C'est toi qui dois te mettre dans le système par la grâce de Dieu et demander au Seigneur d'agir. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Alors, c'est nous qui devons invoquer l'Éternel. C'est nous qui devons prier l'Éternel pour que Dieu puisse intervenir dans nos vies. Et c'est ce qu'ils seront en train de faire par la grâce de Dieu. Donc, connectez-vous par la grâce de Dieu. Nous allons démarrer, n'est-ce pas, un programme, système de prière. Invite aussi une personne malade juste à côté à suivre cette vidéo. Parce que cette vidéo, il y a une onction spéciale dans cette vidéo. Dans cette vidéo, dans ce direct, il y a une onction spéciale. Une onction de miracle, une onction de restauration, une onction vraiment de libération. Une onction de déprogrammation de la mort et des œuvres mystiques. Déprogrammation de mort et des œuvres mystiques. Commencez déjà à partager la vidéo. Commencez déjà à partager la vidéo. Ceux qui sont déjà en ligne. Je veux profiter maintenant pour saluer tous les gens en ligne, tous les enfants spirituels qui sont en ligne, qui ont commencé déjà à partager la vidéo. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse. Voilà, commencez déjà à partager la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo dans les différents groupes au nom de Jésus. Recevez la puissante main de Dieu, l'Éternel, sur vos vies. Vous aurez un bon enseignement tout à l'heure, un enseignement très puissant. Voilà, un enseignement très puissant. Là où l'ennemi allait me cacher vos bénédictions, il fera sortir vos bénédictions de cet endroit. Il fera sortir votre bénédiction. Vous ne devez pas traverser la nouvelle année. C'est-à-dire cette année-là, vous ne pouvez pas entrer dans la nouvelle année sans que Dieu n'ait pas visité chacun d'entre vous. Vous ne pouvez pas rentrer dans une nouvelle année avec les mêmes problèmes de 2018. Ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Il faut que Dieu vous délivre. Il faut que Dieu vous restaure. Il faut que Dieu te libère. Il faut que le pouvoir du diable soit écrasé et que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Voilà, c'est que Dieu te donne la victoire sur la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. Toi qui m'écoutes maintenant, je te déclare une chose. C'est que Christ, notre Dieu, a vaincu la mort. Christ, notre Dieu, a vaincu la mort. À la croix, la mort n'a pas pu... Oui, à la croix. Et le tombeau n'a pas pu retenir Jésus. Les anges vont s'adresser aux femmes pour dire, « Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, Jésus est ressuscité. » Alors, comme Jésus-Christ est ressuscité, la mort n'a plus de sens. Cette mort programmée sur ta vie, cette mort mystique, cette mort que la sorcellerie veut t'imposer en cette fin d'année. La sorcellerie veut t'imposer une mort injuste. La sorcellerie veut t'imposer une mort injuste en fin d'année. Regardez, pour nous qui sommes habitués sur le Facebook, vous allez constater que les accidents par-ci, par-là, le diable est en train de faire les accidents, créer des accidents par-ci, par-là. Et cette période-là, à partir du mois de novembre jusqu'en décembre, nous constatons des morts en cascade. Les morts sont en cascade et tout ça parce que depuis le 1er novembre, les gens ont fêté la fête d'avril, ça veut dire la fête de la mort. Voilà, donc le système de la mort et des esprits de mort sont rentrés sur terre. Ces esprits qui ont pour une durée de 2 mois sur la terre sont en train, c'est des esprits vampires, sont en train de travailler dans le sens de pouvoir, n'est-ce pas, endeuiller des familles. Mais toi qui m'écoutes personnellement, ce n'est pas un fruit d'hasard que tu sois sur ce direct. Ce n'est pas un fruit d'hasard que tu sois en train de m'écouter. Alors, pendant que tu seras en train de m'écouter, une onction viendra sur toi. Une onction de Dieu viendra sur toi. Sur toi. Je suis en même temps direct sur mon compte, ma chaîne YouTube. Et je suis aussi en direct aussi sur ma page Facebook. Voilà. Donc, pendant que tu seras, pendant que tu es en train de m'écouter,
La puissance de Dieu en train de déprogrammer la mort. La puissance de Jésus-Christ de Nazareth en train de déprogrammer cette mort. La puissance de notre Dieu en train de déprogrammer cette mort. La mort n'a plus sa place. L'esprit d'accident, je veux commander la puissance de Dieu. L'esprit d'accident, commandité contre ta vie. L'esprit d'accident contre toi. L'esprit d'accident contre toi. Cet esprit-là, maintenant, j'ordonne à ce démon d'accident, à cet esprit d'accident. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déprogramme l'accident sur ta vie et maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'accident est déprogrammé sur ta vie dans le nom de Jésus. L'accident est déprogrammé sur ta vie dans le nom de Jésus. Je m'adresse à quelqu'un qui m'écoute. C'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je m'adresse. Le diable, il ne peut pas faire de ta vie sa propriété. Le diable, il ne peut pas aussi prendre ton sang pour faire des rituels. Je refuse que ton sang soit utilisé par une confrérie quelconque pour faire des rituels de fin d'année. Je refuse que ton sang soit utilisé par la confrérie de ton village, par la confrérie de la sorcellerie familiale pour des rituels sataniques. Je refuse dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse que ton sang soit versé par la confrérie de la sorcellerie familiale, la confrérie de la sorcellerie du village, pour, n'est-ce pas, leur rituel de fin d'année. Je refuse ça sur ta vie. Je refuse ça sur ta vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à la sorcellerie, je commande au pouvoir de la sorcellerie de lâcher ta vie. Oui, cette vie-là n'appartient pas à la sorcellerie de ton village. Cette vie n'appartient pas. J'ordonne, je veux parler aux sorciers. Cette personne qui est en train de m'écouter, oui, cette personne qui est là présentement en ligne, vous n'avez plus le droit, vous n'avez plus le droit, le droit de régner sur sa vie. Son sang ne sera plus utilisé pour votre rituel de fin d'année. Vos rituels de fin d'année, je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute la programmation est annulée. Toute la programmation de mort faite déjà, programmée contre cette personne qui est en train, ce frère, cette sœur, oui, qui est en train d'écouter, qui est en direct actuellement, en train d'écouter cette vidéo en ligne, que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu vient briser ses œuvres mystiques et sataniques. La puissance de Dieu vient briser ses œuvres mystiques et sataniques dans le nom de Jésus-Christ. Je m'adresse à toi. Ton sang est précieux. Ton sang est précieux. C'est dans le sang que se trouve la vie. Le sang, il y a la vie dans le sang. Il y a la vie dans le sang. Le diable ne peut pas utiliser ton sang pour ses rituels de fin d'année. La confrérie de la sorcellerie du village et de la famille ne peut pas utiliser ton sang pour, n'est-ce pas, leur rituel de fin d'année. Et certainement, ils ont programmé des choses contre ta vie. Ils ont programmé des accidents pour utiliser ton sang pour renouveler leur pacte. Mais ils ont mal choisi l'adversaire. Parce que toi, maintenant, ce pour lequel Dieu t'a poussé à regarder cette vidéo, ce n'est pas qu'ils aient raison sur ta vie. Ce n'est pas qu'ils règnent sur ta vie. Alors, je refuse leur plan diabolique sur ta vie. Je refuse au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à la puissance de Dieu. Maintenant, même dans leur camp mystique, dans leur camp, oui, dans leur canari mystique, où on avait introduit ton âme, dans leur miroir, oui, que tu n'apparaisses plus dans leur miroir satanique, que tu n'apparaisses plus au nom de Jésus. Dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Que tu n'apparaisses plus dans leur caméra, dans leur miroir mystique. Leur miroir mystique, que tu n'apparaisses plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Toutefois qu'ils prononceront ton nom, que ton nom soit protégé par le sang de Jésus-Christ. Toutefois qu'ils appelleront ton âme, que ton âme ne soit pas vénérable par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La confusion dans le camp de la confrérie de la sorcellerie liguée contre ta vie. C'est en cette fin d'année, la sorcellerie liguée contre ta vie, la confusion dans leur camp maintenant. Maintenant même, la confusion dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Et je déclare la
puissance de Dieu, la protection de Dieu sur ta vie, la protection de Dieu sur ta vie, la protection de ton âme, la protection de ta vie, la protection de ton couple, la protection de ton travail, la protection de ton foyer, la protection de ta famille, tes enfants et toi, de ton entreprise, tes affaires, ta protection, sous le contrôle de la puissance de Jésus-Christ. Sous le contrôle de la puissance de Jésus-Christ. Pendant que je parle, la main de Dieu, cette main vient briser. Vient briser. Vient briser tout ce qui détenait dans leur camp. Tout ce que la sorcellerie détenait dans leur camp. Tout ce qui détenait de toi. Ta chance qu'ils détenaient dans leurs mains, la puissance de Dieu brise cela au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu vient briser cela dans le nom de Jésus-Christ. Je commande à la puissance de Dieu, dans le canari mystique, dans ce canari dans lequel on avait mis ta chance, je viens briser ce canari mystique dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans la tombe dans laquelle on avait introduit ton âme, dans laquelle on avait mis ta vie, dans cette tombe, je brise et ton nom et ta vie, ton âme est libérée. Je commande à ton âme d'être libérée par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Parce que ce nom Jésus est puissant. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Et la Bible déclare qu'en ce nom, genou fléchit. Tous ceux qui sont derrière ton malheur, tous ceux qui ont décidé de te nuire maintenant même, maintenant ils plient genoux, ils fléchissent genoux et capturent dans le nom de Jésus qui te lâche maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu et la puissance de Dieu consument les œuvres. La puissance de Dieu vient consumer les œuvres de cette confrérie satanique et mystique dans le nom de Jésus-Christ. Ton âme ne serait pas dans leur camp. L'âme de ton mari, l'âme de tes enfants, oui, ne sera pas, n'est-ce pas, dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ, je libère ton histoire. Je libère ta destinée. Je libère ta destinée. Je libère ta destinée. Dis amen, je reçois. Pendant que tu dis je reçois, la prière te localise. Je libère ta destinée. Je libère ta destinée. Je libère ta destinée par la puissance qui est dans le nom de Jésus de Nazareth. Je libère ta destinée au nom de Jésus-Christ. Je m'adresse à toi que je m'adresse. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi maintenant. Et la main de Dieu te libère. Toi, 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 frère, toi, bien-aimé, ma soeur, c'est à toi que je m'adresse. Ton âme ne sera pas bouffée. Ton âme ne sera pas bouffée. Ton âme, tu ne seras pas bouffée. Ton âme ne sera pas bouffée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ton âme. Là où ton âme a été attachée, là où ton âme est attachée dans une forêt, je libère ton âme. Là où ton âme est attachée dans un canari, je libère ton âme. Là où ton âme est attachée, n'est-ce pas, dans une tombe, je libère ton âme. Au nom de Jésus-Christ, Jésus dit, allez-y, dites, si on vous demande, vous qui êtes venu chercher la non, dites le Seigneur en a besoin. Dieu a besoin de toi. Alors je commande à la confrérie de te libérer. Je commande à la confrérie de te libérer. Et alors, si on refuse de te libérer, la puissance de Dieu vient, n'est-ce pas, consumer les œuvres. La puissance de Dieu vient consumer les œuvres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu, au nom de Jésus. Tu ne seras plus leur otage. Oui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras plus leur otage dans le nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la visitation du Saint-Esprit. Reçois la visitation du Saint-Esprit. Aucun mystique ne régnera sur toi. Dis amen, je reçois. Aucun mystique ne régnera sur toi. Aucun féticheur n'aura l'autorité, le pouvoir sur ton âme dans le nom de Jésus-Christ. Aucun sorcier n'aura le pouvoir sur ton âme maintenant même. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, je commande à la confrérie de lâcher maintenant. Lâcher ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, vous recevez la puissance de Dieu. Tu reçois la puissance du Saint-Esprit. Tu reçois la puissance du Saint-Esprit. Maintenant même, pendant que tu es en train, n'est-ce pas, de m'écouter, pendant que tu es en train de m'écouter, un miracle se produit. Un miracle en train de se produire dans ta vie. Un miracle de délivrance. Un miracle de déblocage. Un miracle de délivrance. Un miracle de délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ
de Nazareth. Et sur ta vie, sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur ton entreprise, sur ta vie professionnelle, nom de Jésus, sur ton foyer, sur ta famille, tu reçois le miracle de Jésus. Tu reçois le miracle de Jésus. Tu reçois le miracle de Jésus maintenant même. Recevez la main de Dieu. La main de Dieu, cette main du Saint-Esprit te touche là où tu es. Le Saint-Esprit te localise. Le Saint-Esprit te localise. Je maudis la maladie dans ton corps. La maladie dans ton corps, au nom de Jésus. La maladie dans ton corps, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La maladie, cette maladie dont tu souffres, cette maladie, le Seigneur te localise. Cette maladie dont tu souffres, cette maladie dont tu étais victime. Oui, la médecine n'est plus rien contre toi, ça. Mais Jésus est le médecin par excellence. Jésus est le médecin par excellence. Alors Jésus te guérit. Jésus te guérit. Là où tu es maintenant, reçois le miracle de Jésus. Reçois cette guérison. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Reçois cette guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison maintenant. Tu reçois ta guérison et maintenant même dans le nom de Jésus. Tu reçois ta guérison et maintenant dans le nom de Jésus. Tu reçois ta guérison et maintenant dans le nom de Jésus. Tu reçois ta guérison et maintenant dans le nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Le mal est part au nom de Jésus-Christ. Le mal disparaît. La puissance de Jésus-Christ te localise. Le mal part. Le cancer quitte ton corps. Le cancer quitte ton corps. Le cancer quitte ton corps. Le cancer part. Et le cancer quitte ton corps dans le nom de Jésus. Le cancer quitte ton corps maintenant dans le nom de Jésus. Le cancer disparaît de ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diabète en train de partir de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est diabète disparaît de ton corps. Au nom de Jésus, toi diabète, maintenant même, dans le sang de cette sœur, dans le sang de la sœur, dans le corps de cette sœur, je chasse l'esprit de diabète, cette maladie, dans le nom de Jésus-Christ, et je commande à l'esprit de guérison de s'emparer de cette sœur et de ce frère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux commander à l'esprit de sida, cette maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, la maladie part de ton corps. La maladie part de ton corps. Le sida quitte ta vie. L'esprit du sida quitte ta vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant même dans le nom de Jésus. Maintenant même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sida disparaît de ton corps. Le sida quitte ta vie au nom de Jésus. Tu reçois le miracle. Tu reçois le miracle de la guérison maintenant. Tu reçois le miracle de la guérison au nom de Jésus. À distance, l'esprit te localise. À distance, cette guérison s'empare de toi et tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Reçois cette guérison dans le nom de Jésus. Je m'adresse à toi au nom de Jésus. Il y avait des choses qui marchaient dans ton corps. Oui, des choses mystiques qui marchent dans ton corps. Depuis ton pied jusqu'à, n'est-ce pas, tout ton corps, ta poitrine, et souvent dans ton dos, ça revient dans tes jambes. Je commande à cet esprit de quitter ton corps dans le nom de Jésus. Je commande à cet esprit de quitter ton corps au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Cet esprit mystique, ce démon qui se balade dans ton corps, ce démon, cet esprit mystique qui se balade dans ton corps, je commande à ce démon de partir dans le nom de Jésus. Je commande à ce démon de partir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois cette visitation du Saint-Esprit. Reçois cette visitation du Saint-Esprit. À distance maintenant, la puissance de Dieu te touche. Il y avait une boule dans ton ventre. Il y avait une boule dans ton ventre. Et tu sens cette boule. Tu sens que cette boule, souvent elle disparaît, réapparaît. Cette boule est dans ton ventre. Et depuis un moment donné, tu ne sais plus ce qu'il fait. La boule est là, elle t'emmerde. La puissance de Dieu vient te guérir là où tu es. La puissance de Dieu te localise. Et Dieu guérit ton mal de ventre. Dieu guérit ce mal de ventre. Dieu guérit, reçois ton miracle.
Reçois ton miracle. Reçois ce miracle dans le nom de Jésus. Reçois ce miracle dans le nom de Jésus. Reçois ton 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 miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant dans le nom de Jésus. L'Esprit te visite. L'Esprit te visite. L'Esprit te visite. L'Esprit de Dieu te visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est en train de traiter avec toute forme de maladie dans vos vies. Toute forme de maladie. Toute forme de maladie parce que tu rentreras dans la nouvelle année guéri dans le nom de Jésus. Tu ne rentreras pas dans cette nouvelle année avec une maladie quelconque. Tu ne rentreras pas dans une nouvelle année avec une maladie quelconque dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi pour te guérir. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi pour te guérir. Tu reçois ton miracle. Tu reçois maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je vais parler à l'esprit de la sorcellerie. Oui, toute influence de la sorcellerie contre ta vie. Toute influence de la sorcellerie sur ta vie. Toute influence. Je veux commander à l'esprit des ténèbres qui influence ta vie. Je veux commander à l'esprit de la sorcellerie qui influence ta vie. Le feu dans les camps. Le feu dans le camp de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu reçois ta délivrance. Tu reçois maintenant même ta délivrance. Tu reçois maintenant ta libération. Tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais parler à ta carrière professionnelle. La Bible déclare que ce n'est pas bon que l'homme, n'est-ce pas, que l'homme qui ne travaille pas ne doit pas manger. Le diable a décidé de bloquer ta carrière. Le diable a décidé que tu ne travailles pas. Ça, c'est celui qui, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Maintenant, le plan de Dieu, c'est que tu travailles. Alors, de Dieu, entre le Dieu, un Dieu plutôt, et le diable. Le diable reste menteur. Et les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Le fait que la promesse de Dieu ne s'est pas encore accomplie, c'est que toi-même, tu ne faisais pas la volonté de Dieu. C'est que toi-même, tu ne marchais pas selon Dieu. Alors, comme tu as décidé de mettre la Dieu à la première place de ta vie, alors comme tu as décidé de faire confiance à Dieu, comme tu as décidé d'invoquer le nom du Seigneur, maintenant même, pendant que je parle, maintenant même, pendant que je prie, pendant que je parle, la puissance de Dieu vient libérer ton travail. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu ne travaillais pas. Maintenant même, la puissance de Dieu libère ton travail. La puissance de Dieu libère ton travail dans le nom de Jésus-Christ. Tu avais déposé les dossiers partout. Tu avais déposé les dossiers partout et tu n'arrivais pas, n'est-ce pas, à être appelé, à voir, être embauché, n'est-ce pas? Personne ne t'appelle. Ton défi et ton dossier est toujours, n'est-ce pas, refusé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu te localise et cette puissance de Dieu vient jusqu'à toi maintenant. Cette puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Cette vie, tu as part cet héritage de Dieu. Tu as part cette bénédiction. Tu as part aussi à cette bénédiction. Je refuse. Je refuse la main de Dieu sur ta vie. Je refuse la main du diable sur ta vie. La main de la sorcellerie sur ta vie. Et je commande à l'esprit de la sorcellerie de libérer ta vie. Je commande à l'esprit de sorcellerie de libérer ta carrière professionnelle. Ton travail. Ton travail est libéré. Je libère ton travail. Dans les temps qui suivront, par la grâce de Dieu, tu auras du travail. Je prophétise sur toi le travail. Le travail. Au nom de Jésus. Dieu t'ouvre les portes du travail. Maintenant. Dieu t'ouvre les portes du travail. Dieu t'ouvre les portes du travail. La stabilité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Les portes du travail. Au nom de Jésus. La visitation de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Tu reçois cette visitation du Saint-Esprit là où tu es. La puissance de Dieu te visite. La puissance de Dieu te visite. La puissance de Dieu te visite. Tu reçois le travail. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. La visitation du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu te visite là où tu es. L'Esprit de Dieu te visite là où tu es. Reçois. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Reçois cette gloire de Dieu maintenant même. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Reçois cette visitation
de la puissance de Dieu. Reçois ton travail. Je veux parler de ton travail. Je veux parler de ton travail. Tu reçois un miracle dans ce domaine maintenant même. Tu regardes, tu reçois un miracle dans ce domaine au nom de Jésus. Tu es en train de suivre, Dieu est en train de changer le cours de ton histoire. Dieu est en train de changer ton histoire. Dieu est en train de changer ton histoire. En ce qui concerne ta carrière professionnelle, en ce qui concerne ton travail, Dieu est en train de changer le cours de ton histoire. Pendant que tu es en train d'écouter cette vidéo, pendant que tu es en train de regarder cette vidéo, dans le spirituel, quelque chose est en train de se produire, quelque chose est en train de se passer. Tu passes à l'esprit de chômage au travail. Tu es en train de passer à l'étape du chômage au travail. Reçois la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit localise ta maison et va jusqu'à te remplir de cette onction qui te libère de l'esprit de chômage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui te libère de l'esprit de chômage dans le nom de Jésus. Qui te libère de cet esprit de chômage dans le nom de Jésus. Et reçois ce miracle. Reçois ce miracle, reçois ce miracle, reçois ce miracle, reçois ce miracle par la puissance qui est et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance qui est et dans le nom de Jésus, reçois ce miracle au nom de Jésus, 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 dans le nom précieux du nom de Jésus, reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ, reçois le miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Toi qui es en train de m'écouter maintenant, reçois ton miracle. Toi qui m'écoutes maintenant. Toi qui m'écoutes maintenant. La puissance de Dieu s'adresse à toi et la puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche et te fait du bien. La puissance de Dieu te fait du bien. Reçois ton miracle. 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 Reçois ton miracle, reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle dans le nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle. La puissance de Dieu te touche. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle là où tu es. Oh là. Reçois ton miracle dans le nom de Jésus. Reçois ton miracle. Dans le nom de Jésus, reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. La puissance de Dieu te visite et la puissance de Dieu te touche là où tu es. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle, bien-aimé. Reçois ton miracle. 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 Reçois ton miracle au nom de Jésus. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas bon que tu sois seul. C'est ce que la Bible déclare. Oui, la Bible déclare que l'homme quittera et la femme quittera son père et sa mère, s'attachera à un homme ou une femme et deviendra une seule chair. C'est la bénédiction du Seigneur que tu sois, que tu rencontres l'homme de ta vie. C'est la bénédiction du Seigneur que tu es la femme de ta vie. C'est la bénédiction du Seigneur que tu es l'homme de ta vie et que tu es la femme de ta vie. Alors, l'effet de la sorcellerie aujourd'hui te met dans une situation de célibat. L'esprit de célibat, n'est-ce pas, est endurci, n'est-ce pas? Voilà, l'esprit de célibat sans nom. Il y a des gens, ils ont un esprit de célibataire sans nom. C'est-à-dire que tu ne peux même pas identifier ce nom-là. C'est un célibat. Personne ne veut te marier. Personne. Tu te mets dans une relation, ça ne marche pas. Tu te mets dans une relation, ça ne marche pas. Quand tu commences une relation, ça ne marche pas. Parce que quelque part dans le rêve, quand tu vas dormir, tu as l'impression de te trouver avec des personnes. Tu as l'impression de voir des personnes. Je vous dis aujourd'hui, si vous dormez, que vous trouvez, que vous êtes en train de faire, avoir des rapports sexuels dans le rêve avec un homme, il peut être connu, ça veut dire qu'il y a un mariage, un esprit, un mari-esprit. Alors, si tu as cet esprit dans ta vie, il sera difficile que dans ce monde visant, dans le monde visible, que tu aies un véritable homme. Parce que déjà, ce que tu vois en rêve, ça veut dire que c'est un problème spirituel. OK? Les gens peuvent
vouloir te épouser. D'ailleurs, tu es là, voilà, ils vont vouloir t'épouser. Mais l'esprit là, qui est dans ta vie, cet esprit mari là, va vouloir empêcher toute forme de mariage dans ta vie. Va vouloir empêcher toute forme de mariage dans ta vie. Vous comprenez? Et cet esprit de femme, de femme, esprit, va vouloir t'empêcher d'avoir une femme. Tu es belle, mais tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à rentrer réellement dans un mariage. Et c'est difficile. C'est difficile. Tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Mais le problème, il est spirituel. C'est plus fort que toi. Toujours tu échoues. C'est plus fort que toi. Sauf cela qu'on ne baisse pas les bras. Oui, on ne baisse pas les bras. La Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. On ne baisse pas les bras. Et sauf cela qu'il faut être déterminé dans ta recherche avec Dieu. Pour qu'il y ait un miracle dans ta vie. Pour qu'il y ait une délivrance dans ta vie. Enfin que tu ne meurs pas de cette situation. Tu ne dois pas mourir de cette situation. Ce n'est pas normal qu'à un certain âge, l'âge que tu as aujourd'hui, que tu sois là sans rentrer dans ton mariage. Ce n'est pas normal que tu sois là en train de souffrir de goumets. Tu souffres seulement. Et tu dors, ton esprit te bip seulement. Tu es fâché. L'esprit de goumets, ça donne les crises des nerfs. Parce que tu n'as pas quelqu'un pour te dire chérie. Ou bien quelqu'un qui dit je t'aime. Et c'est dangereux. Tu es toujours fâché, même au travail, tu boudes. Tous tes collègues, c'est un esprit qui est en train de te déranger. Je veux commander à cet esprit-là qui t'empêche de rentrer dans ton mariage. Je veux commander à cet esprit-là qui t'empêche d'avoir un homme. Je veux commander à cet esprit-là. C'est vrai, quand tu as cet esprit-là, tu casses les verres. Ça, faut pas en avoir peur. Tu casses les verres. Quand tu vas faire la vaisselle, quand tu laves les assiettes, les verres vont se casser. Ça, en semaine, tu peux peut-être casser peut-être une douzaine de verres et des assiettes et tout ça. Souvent même quand tu vas faire la nourriture, le sel, tu mets dedans. On dit, ah, peut-être que la nourriture... Tu verses le sel, on dit que la sauce là, c'est comme la mer. C'est la mer ou bien. Trop de sauce, trop de sel dans la mer. Tu mets le sel, Tu peux mettre toute la boîte de cuit-manger dans la sauce. Ça, c'est l'esprit de goumet qui fait ça. Ça veut dire, ton cœur, c'est trop chaud dans le cœur, l'esprit de goumet. Voilà. Et souvent même, tu es insomnie. Et tu es sur Facebook quand à 6h du matin. C'est ton papa qui a créé Facebook ou bien. Voilà, ton papa qui a créé Facebook ou bien. Tu es toujours sur Facebook. Tu ne dors pas. Voilà, tu ne dors pas. Tu es insomnie. Or, quand tu es insomnie, il faut prier. Tu es fâché le matin, tu es fâché. Tout t'énerve. Or, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Il faut être toujours content. L'esprit là, ce n'est pas bon. Ça t'énerve. Tu vas voir un enfant, tu vas l'insulter. Tu vas voir quelqu'un, tu vas l'insulter. C'est lui qui t'a énervé ou bien. C'est un esprit qui fait ça. C'est l'esprit là qui fait ça. J'ai toujours dit, quand quelqu'un a un esprit, n'est-ce pas, de célibataire, qui a un goumin grave dans son cœur, n'est-ce pas, c'est tellement terrible que son petit orteil, son gros orteil là, ou même le petit, c'est entre le petit orteil, le gros orteil et le petit orteil, les deux là, ça ne tarde pas à coigner le bord de lit. Le gros orteil et le petit orteil, ça ne coigne pas. Et quand ça coigne, la douleur monte jusqu'envers la nuque. Douleur de ça. Tu es là dans le lit. Tu fais tchourou. Oh, c'est l'esprit là, de goumet là qui fait ça. Cet esprit de goumet là. Quand quelqu'un a cet esprit là, il marche, on dit il est bancal. Son orteil, petit orteil, coigne. Peut-être même dans le salon, c'est toujours en train de coigner. Le bord, le pied du lit ou le bord de la table ou bien c'est le, n'est-ce pas, la commode. Il y a un truc qui va venir, ça va coigner. Et ça te fait mal. Quand ça fait tac, tin, on est tous passés là, hein? Ça fait tin. Douleur de ça, ça peut te donner AVC.
tu es là, tu t'assois. Et puis ça, là, pour que ça se calme, il faut s'asseoir. Plus tu t'énerves, toi-même tu connais, plus tu t'énerves, ça te brûle. Mais c'est un esprit. C'est un esprit, cet esprit-là. Quand quelqu'un coince toujours, ça veut dire que c'est ça. Tu coins pas, ça coince. Puis tu dis, ah! Toi-même, tu as vu, dans la journée, tu coins. Tu es sur autoroute. Ça veut dire dans la journée, tu peux coigner plus de 5 fois. Ça veut dire que c'est grave. C'est un esprit de gourmet exagéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et quand quelqu'un a goûté, il y a tout dans le miroir. Ma soeur, tu es belle. Mon frère, tu es beau. Tu feras dans le miroir. Toujours chez toi, c'est ton camarade ou bien. Tu es toujours en train de regarder dans le miroir. Le miroir, là, c'est camarade. C'est ton camarade ou bien. Le goûté, c'est chagrin de cœur. Voilà, chagrin de cœur. Et quand tu marches, tu regardes toujours derrière. Que Dieu te visite. Que cet esprit te libère. Que cet esprit te libère. Parce que ce n'est pas bon. C'est pour ça que la Bible dit, ce n'est pas bon que tu sois seul. Yako, ce n'est pas bon, mais Dieu va régler la situation. Encore, il faut que Dieu te donne l'homme que tu aimes et la femme que tu aimes. Dieu te donne la femme que tu aimes et l'homme que tu aimes. Shalom, shalom à vous. Que cette malédiction-là soit annulée sur ta vie. Que cette malédiction soit annulée sur ta vie, dans le nom de Jésus. Que cette malédiction soit annulée sur ta vie, dans le nom de Jésus. J'annule cette malédiction sur ta vie, dans le nom de Jésus. Cette malédiction soit annulée sur ta vie, dans le nom de Jésus. Et que les gens bizarres, qui ne sont même pas de ton style, qui ta vie. Les gens bizarres, que Dieu te déconnecte de ces personnes. Que Dieu te déconnecte des personnes bizarres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as l'impression que tu es en train de vieillir. Il y a des gens, quand ils ont goûté, toutes les nuits, ils pleurent seulement. Hein? Ils pleurent seulement. Ils peuvent chercher. La pochette, là, ça veut dire mouchoir, là, ils cherchent à chaque 2 jours. C'est au chevet du lit. C'est pas la grippe. C'est pleurer seulement. Or, la Bible dit que tu dois être toujours joyeux. Que Dieu te donne ce miracle de rencontrer l'homme et la femme de ta vie. De rencontrer l'homme et la femme de ta vie. Afin de créer une stabilité dans ta vie. Afin de créer une stabilité. Encore, un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Fais l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que toi, ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. Pendant que tu m'écoutes, tu reçois le miracle, tu reçois ce miracle et cette visitation de ce miracle dans ta vie. Tu reçois ce miracle, reçois ce miracle, reçois le miracle de Dieu, 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 reçois le miracle de Dieu. Le mariage, Dieu te fait rentrer dans le mariage, Dieu te fait rentrer dans le mariage, Dieu te fait rentrer dans le mariage. Tous ceux qui attaquent ton mariage, tous ceux qui sont en train d'attaquer ton mariage, tous ceux qui sont à la base de ta persécution spirituelle, qui sont en train de te persécuter dans ce domaine-là, pour t'empêcher de rentrer dans cette gloire de Dieu, ces personnes vont recevoir, n'est-ce pas, cette visitation du Saint-Esprit. Et toi, tu rentres dans ton mariage dans le nom de Jésus. Tu rentres dans ton mariage dans le nom de Jésus. Tu rentres dans ton mariage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le miracle de Dieu. 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 Il te rend heureux, notre Dieu. Notre Dieu te rend heureux maintenant. Au nom de Jésus. En t'ouvrant les portes du mariage. En te faisant entrer dans cette destinée. En te faisant rentrer dans cette destinée. Encore l'homme et la femme de ta vie. Il te fait rentrer dans cette destinée. Il te fait rentrer dans le nom de Jésus-Christ. Afin que tu arrêtes de casser les verres. Parce que les verres, tu, Carrefour ou bien Socosé, c'est ta maison ou bien. Les gens me sont abonnés tellement qu'ils cassent les verres. Tu as trop cassé des verres. Tu as trop cassé les verres. Chaque jour, tu dois aller casser des verres à cause de Goumin. Chaque jour, tu oublies même, tu verses même
un sac de sel dans la sauce arachide. Tu verses la sac de, dans la sauce graine ou bien dans une dolée. Tu verses partout. C'est la mer ou bien. C'est la mer, tu es en train de préparer ou bien la mer. Quand tu verses, souvent on dit ah, c'est parce qu'il est trop amoureux, il verse ça. Pas tu oublies. Goumen, là, ça fait que tu verses, tu mets assez de sel dans la sauce. Voilà, dans la sauce. Je suis allé un jour manger chez un frère. Sa maman, elle buvait beaucoup. Il m'a invité, c'était dans la région là-bas de Gagnoua, vers nous là-bas. Un soir, comme ça, il allait m'inviter chez lui. Et on attend de manger. On a goûté la sauce, c'est plein de sel. Or, sa maman, elle avait bu. La vieille s'est trompée. Au lieu de prendre sel, elle a mis sucre. Donc, imaginez-vous une sauce graine mélangée de djunglé avec plein de sel. Et moi, j'étais étonné. Le frère, il pleure. Il dit pardon, parce que pardon, ma maman. C'est pas sa première fois qu'elle fait ça. Tous les jours, maman. Ah, sa maman est en train de ronfler. Plein, elle s'est balettisée. C'était moi l'occasion pour moi aussi de la délivrer de cet esprit de balai. Voilà. Donc, quand on a un esprit bizarre, voyez, voilà où ça nous envoie. Voilà où ça peut nous envoyer. Voilà. Donc, quand les gens goumènent, ils peuvent verser tout un contenu, c'est-à-dire tout un, c'est-à-dire ça, sel verse. Ils versent le sel dans la sauce. Et tu es étonné. Dans sa bouche, il n'y a pas sel. Mais toi, dans ta bouche, c'est plein de sel. Tout le monde goûte, tout le quartier. On a l'impression qu'il y a. C'est la mer. C'est deuxième mer, océan ou bien. C'est océan Méditerranée ou bien océan Atlantique ou bien qui est en train de faire. Ou bien océan Pacifique. Voilà, océan Pacifique. Tu es venu créer océan dans ta maison ou bien. Voilà. Voilà, tu es venu créer océan ou bien. Et puis toi, tu dis non, c'est pas salé. Ah, Nia, c'est salé. C'est Goumen là qui fait. Oui, tu as abonné. Quand tu vois quelqu'un qui a Goumen, il faut parler avec la personne. Après, elle ne même pas te laisser. Tout quand tu parles à la personne, elle est scotchée au téléphone. Ah, Nia, il y a quoi? Elle veut causer. Et les gens qui ont Goumen, ils veulent toujours causer, ils veulent pas toujours parler. Ils sont seuls. Ce n'est pas bon que Dieu te donne l'homme de ta vie. Tu es toujours resté seul. Ce n'est pas bon. Hein? Ça peut te rendre sorcière. Ça peut envoyer la sorcellerie. Voilà, parce que tu parles seul dans la maison, hein, ton petit orteil, ça casse, ça coigne le mur, ton gros orteil, tu es fâché seul, hein, fâchement tous les jours, mais la puissance de Dieu vient te délivrer au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu, reçois cette visitation du Saint-Esprit chez toi à la maison, reçois le Saint-Esprit te localise. Et la puissance de Dieu vient de te libérer. La puissance de Dieu te libère. Je commande à l'esprit du célibat. Je commande à cette malédiction. Je l'annule sur ta vie. J'annule la malédiction sur ta vie. Cette malédiction du célibat. Cette malédiction du célibat quitte sur ta vie. Cette malédiction du célibat quitte sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois. Reçois. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. L'esprit de pauvreté. Je vais parler à l'esprit de pauvreté. La Bible dit, Jésus, de pauvre qu'il était, il s'est fait riche pour qu'en lui, nous soyons enrichis. L'esprit de la pauvreté, ça veut dire, tu es constamment dans les besoins. Tu n'arrives pas à satisfaire tes besoins. Tu n'arrives pas à manger à ta faim. C'est dangereux. Tu n'arrives pas à manger à ta faim, tu n'arrives pas à satisfaire tes besoins, tu n'arrives pas à joindre tes debouts. À la fin, à la moitié du mois, à partir du 10, tu as des problèmes, et c'est des problèmes. Tu as des problèmes et des problèmes. C'est toi qui as toujours les problèmes financiers, tout ça. Tu as toujours les problèmes, toujours les problèmes. C'est un esprit. C'est un esprit. C'est pas parce que tu es né dans une famille pauvre que tu vas mourir pauvre. Non. C'est pas parce que tu es mort dans une famille pauvre que tu mourras pauvre, non. En Jésus, tu es condamné à la richesse. Ce n'est pas un péché de le dire. Parce que la pauvreté, c'est un démon. Je n'ai jamais vu un pauvre qui est heureux. Je n'ai jamais vu un pauvre qui n'est pas envieux. Je n'ai jamais vu un pauvre, n'est-ce pas, qui est content. Vous allez me dire, mais attends. Mais le pauvre, c'est celui qui est constamment dans les besoins. Il y a des gens, tu ne peux même pas trouver à manger. Comment quelqu'un qui a constamment faim,
Vous pensez qu'il est heureux? Non, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Tu te demandes, si aujourd'hui il y a un problème, tu feras face à ça comment? Tu feras face à ça comment? Tu feras ça face à ça comment? Sauf cela que maintenant, cet esprit, non, c'est comme ça ma famille, non, je brise ça sur ta vie. J'annule ça sur ta vie. Toi, à partir de toi, cette histoire-là, ça t'arrête, ça s'arrête. À partir de toi, toi qui es en train de m'écouter, cet esprit-là, ça arrête sur ta vie et celle de ta famille. Cet esprit-là s'arrête à partir de toi et celle de ta famille, ta progéniture, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous appartenez à le Dieu, le roi des rois. Jésus-Christ est le roi des rois. On n'a jamais vu un roi pauvre. Nous n'avons pas cet héritage du Christ. Alors maintenant même, l'esprit-là te laisse. Il y a des gens, ils ont un esprit de pauvreté sans nom. Pour acheter battre antifrice, ils n'ont même pas. Si ta bouche est sans, comment tu vas parler à une sœur, elle va t'écouter. Comment une sœur peut penser que c'est le frère de ma vie? Parce que quand tu vas commencer à parler à la sœur, elle va voir dans ta bouche comme quelqu'un qui est venu l'envoûter. Il y a des gens, quand ils te parlent, leur odeur qui sort dans leur bouche, on dirait envoûtement. On dirait l'esprit de Gay Vitor au village. Quand il dit ma sœur, shalom, quand il lâche le shalom là, ça peut devenir cancer ou même sinusite. Cancer des cerveaux ou bien sinusite. Que le Seigneur vous délivre de cet esprit. Il y a les frères aussi, quand ils sourient à toi, ils ont tous les tâtres sur leur bouche. C'est bitume ou bien. Tes dents là, c'est goudron ou bien. C'est bitume d'autoroute ou bien. Il faut te brosser, oui, voir, te détrater chez le dentiste. C'est important tout ça. Parce que c'est important. Ma soeur, c'est important. Ne pense pas que non, le Seigneur, dans la prière, le Seigneur va envoyer le frère. Non, le frère, avant d'être d'accord, il va d'abord voir le design qui est là. Ah oui, parce que si ma soeur, tu ne te brosses pas bien et que ta bouche cendrait les égouts là, le frère qui va venir parler à toi, tu peux rater la chance. Tout ça, c'est important. Broche-toi, il y a quoi? C'est pas là ou bien? Ou bien c'est envoûtement? Amen, amen. Ou bien c'est envoûtement? Que cet esprit-là soit brisé. Que cet esprit-là soit brisé dans le nom de Jésus. Il y a des gens, ils sont tellement... Oui, ça peut donner sinusite. Il y a des gens, quand ils disent shalom, quand ils disent bonsoir, bonjour, odeur qui rentre dans tes narines provoque directement cancer de cerveau ou bien sinusite. Il faut te brosser. Bouche la camarade de quelqu'un. Avant d'aller dormir, brosse-toi. Tu te réveilles matin, brosse-toi. Peut-être à midi, il faut te brosser. Mais tu parles, après tous les riz que tu as mangé, là, c'est plein de conseils ta bouche. Et tu dis, Seigneur, donne-moi une femme. Et à lui, là, tu ne peux même pas prendre soin de toi. Et c'est enfant des gens, tu guettes. Le feu sur toi-même qui est en train de faire ça. Le feu te brûle, le feu du Seigneur te consume, le feu du Seigneur. Ça, c'est l'esprit, ça, c'est un esprit d'envoûtement, ça. Tu vas aller maltraiter enfant des gens. Soyez propre. Parce que même le vêtement de Jésus-Christ était tiré au sort. Ça vous dit qu'il portait des habits de valeur. Je ne vous ai pas dit d'aller porter les grandes marques. Mais attends, entretenez-vous. C'est important. Tu ne peux pas un homme, hein? Excusez-moi. Aller les petits dessous aujourd'hui, là, c'est moins cher. Avec 10 euros ici, avec 10 euros, tu peux avoir les dessous, les chocoteaux en bas. C'est-à-dire, tu peux payer, tu peux avoir... Pour 70, tu peux avoir pour une semaine, chaque jour tu changes. Tu peux changer chaque jour. Parce que quand tu ne changes pas ton chocoto, frère, le chocoto qui est en bas là, ce n'est pas pour toi. Parce qu'il peut y avoir des odeurs bizarres dans la journée. Tu sais très bien ce que je suis en train de dire. Qui peuvent rester dans le chocoto. Ah, toi-même, je n'ai pas envie de dire ça. Les odeurs bizarres qui peuvent rester dans le chocoto. Donc, quand tu finis, allez, quand tu vas dans la douche pour te laver, il faut laver le chocoto et laisse ça. Prends un nouveau chocoteau, tu portes. Quand tu vas te laver le soir, tu laves. Donc, tu peux avoir 7 comme ça. Et puis, c'est bon. Mais tu portes chocoteau, le même chocoteau pendant un mois. En le dessous, un mois. Tu es bella ou bien? Tu es bella ou bien? Odeur. Et c'est toi qui viens t'arrêter près de la soeur, ma soeur. En Christ, ça va? Le Seigneur me dit que
On va prier ensemble. Mais ça, c'est envoûtement parce que l'odeur qui sort n'encourage plus la sœur à t'écouter. Et toi, tu vas voir ça comme, n'est-ce pas, et comme le diable qui t'attaque. Or, c'est toi-même qui t'attaque par ton manque d'hygiène. Le manque d'hygiène. Le manque d'hygiène, c'est dangereux. Et aussi, il y a des filles, il y a des sœurs aussi. Elles ont ce problème aussi. Comment le même chocoto blanc, hein, ton dessous blanc, ta lingerie, ma soeur, ton lingerie devient comme, n'est-ce pas, au lieu de blanc, ça devient violet. Ça devient chocolat. Tu as mis teinture ou bien? Cette teinture, tu as fait ou bien? Non, c'était blanc au départ. C'est devenu chocolat ou bien? Cette teinture, tu as fait ou bien? Pour changer ta lingerie. Faut changer. Ta lingerie là, faut changer ça. Voilà, donc tout ça là, c'est important, tout ça là, c'est important. Comment toi tu achètes, ma soeur, tu vas au marché, tu vas au supermarché, dans les boutiques, magasins, c'est devenu, c'est blanc. En 3 semaines, ça devient chocolat. C'est teintu ou bien? C'est teintu, tu as fait ou bien? Faut changer. Tu peux avoir une dizaine. Tout ça c'est important. Quand tu salues, et puis à payer les parfums, c'est bon. Tu mets sur toi, c'est bon. Amen. Le frère est content. Ah, il n'a pas envie que tu le... Tout ça, ça marque. Voilà, ça marque. Il y a une soeur, elle est venue me voir, mes filles. Elle dit, non, papa, mon mari dit... Non, mon mari dit que moi-même... moi-même... J'ai dit, il a fait quoi? Et son mari a fui. Son mari dit, il ne veut plus dormir. Son mari ne veut plus rester à la maison. Et elle est jeune fille. C'est une fille de 22 ans. Une jeune fille. Voilà. Ton mari veut plus les dehors. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, que lui, excusez-moi, on en direct, excusez-moi, mais je vous dis la vérité. Ça dit vous, quel porte conjo? Ça dit, le string traditionnel de Moyen-Âge. Comment les gens s'habillaient en vent au Moyen-Âge, là? Les pains, nos mamans portaient en vent, là. C'est ce que la fille, là, de 22 ans porte, et puis elle avait son mari. Moi, je l'ai regardé, je dis, ma fille, ah bon? C'est ça, tu parles, oui. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, c'est comme ça dans notre tradition, comme ça, ça met la femme à l'aise. J'ai dit, moi-même, là, ton papa spirituel, le prophète, là, excuse-moi, hein, moi-même, là, je vois ça même comme envoûtement. Vas-y, quand tu te mets nuit devant ton mari, il va voir ça comme une mémé. Ça ne va même pas l'inciter, ça ne va même pas le faire quelque chose. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que ton mari, on appelle ça blaton, ok. Tu veux que ton mari vienne vers toi? Il dit oui. On appelle ça konjo. Il n'a pas voulu dire. Il a dit, mais elle met caleçon, et puis elle met en bas. C'est-à-dire, pourquoi tu fais deux? Tu mets konjo là en bas, et puis tu mets slip. Qu'est-ce que tu cherches? Non, on a grandi avec ça, quand on était en l'âge de puberté. Est-ce comme ça on nous a demandé, tu es mémé ou bien? Il y a dit, le mari, il te voit comme une mémé. Et c'est la même chose, tu reconduis encore. C'est même pas propre. C'est même pas propre. Comment toi, tu as ton âge de 22 ans, tu vis comme une mémé au village? Non, mais même la mère ne font plus ça. Il dit, va acheter. Elle n'est pas habituée. Il dit, ce n'est pas une question d'habituer. C'est une question de prendre ton mari, l'envoyer chez toi. Il va venir. Parce que si tu le maîtrises pas, là où il y a la chose, là, c'est là où il va partir. Souvent c'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos problèmes, nos maris. Les maris vont là-bas, ils regardent. Ben, tu peux le chasser. À l'aller, j'ai dit dans la semaine, quand tu me quittes le lendemain, va. C'est pas cher. Va les demander. Tu as demandé tout ça. Tout. Elle a fait. J'ai dit, tu vas te laver. Au moment où lui veut sortir, là, toi tu es là, tout ça. Puis quand tu sors de la douche, tu fais tomber ton pain, il va voir. S'il a vu, c'est fini. L'esprit de sortie va quitter. Donc, la soeur, la fille, elle voyait ça comme sorcellerie. Elle voit ça comme sorcier qui vient attaquer son foyer. L'esprit qui attaque mon foyer. La sorcellerie, ma grand-mère, c'est elle qui attaque mon foyer. C'est ma grand-mère. C'est quelle grand-mère? C'est le conjo qui attaque ton foyer. C'est pas ta grand-mère. C'est le conduit que tu portes, excusez-moi, je vous respecte les femmes, c'est le conduit que tu portes qui attaque ton foyer. Laisse la grand-mère. La grand-mère, aux oies, elle est sorcière. Tout le monde sait qu'elle est sorcière. Mais là,
C'est le congo que tu portes qui attaque ton foyer. C'est pas affaire de non, non, non. Seigneur, ma grand-mère, je les vois en rêve. C'est elle qui ne veut pas que mon mari soit là. Seigneur, puis jeûne, puis tu maigris, tu deviens anémie, anémie sévère. Tu es dans jeûne sûrement. 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 Puis ça, rien ne change. Ça veut dire que ce n'est pas une question de prière. C'est plus la prière. Ce n'est plus la prière, ça. Il faut changer. Ok? Il faut changer. Voilà. Donc, elle a gêné, elle est jeune, elle pense que c'est la grand-mère qui vient attaquer son foyer. Quand c'est comme ça, tu les vois à l'église. Seigneur, le feu, je la connais. C'est toi. Tu attaques. Or, ça n'a rien à voir avec. C'est le Kojo qui attaque le monsieur. C'est le Kojo qui attaque le foyer. C'est le Kojo qui porte là, qui attaque. Et c'est un cas de vrai. On a contre réaliste. Voilà. Quel esprit la sorte. Voilà. Donc, du coup, voilà, du coup, elle a compris. J'ai dit, il faut laisser les prières de toute façon. Quand Dieu c'est à bloc, c'est ce qu'on met les vieilles avant, là, qui portent, je ne peux pas bien expliquer. C'est comme les slips, la cache-sexe. Voilà, les vieilles mettent en bas, elles ne font pas, ils attachent. De toute façon, ils mettent, ils cachent le sexe. C'est comme les strings des vieilles femmes avant. Là. Voilà. Donc, elle a fait. Son mari était là, il était retourné dans la maison, elle a fini de se laver, elle a fait tomber le pain. Son mari a dit, ah! Son mari a dit, eh! Elle dit, son mari est en extase comme ça, il est resté en extase. Parce que ce qu'il voulait aller chercher dehors, là, il a vu ça en même temps. Il a dit, ah! Il s'est couché un peu, il a allumé la télévision, il zappe. Il a commencé à zapper sur les chaînes. Comme ça, là, le mari va zapper sur toutes les chaînes. Zap. Oh, la femme, elle entre en conquête du monsieur. Dans le elle défile maintenant, elle dit, ah, c'est lui qui va chercher dehors là. C'est elle là, non? Donc elle dit à son mari, elle est en train de tourner avec le truc, elle est bien habillée et tout, tout, tout. Elle est en train de marquer, Maintenant, là, au lieu des cheveux, elle le marque avec le truc. Elle le marque son mari. Et tout le monsieur dit, ah, il cherche France 24, il cherche quoi 24? France 24, France 26, France 27, France 30, France 47, France 120. Ça y est, toutes les chaînes. Il zappe sur les chaînes, jusqu'à il a zappé sur les chaînes. Il a zappé sur les chaînes. Quand la femme dit qu'il ne sort pas, il dit non, il ne sort pas. Je suis fatigué. J'ai fou quoi dehors là-bas, même. J'ai fou quoi là-bas. Moi-même, là, je voulais partir voir mon camarade, mais je vois, mais j'ai envoyé un SMS. Et il dit, oui, France 47. Il cherche Maïka France. Il cherche France 47. Tout ça chez. Il a dit, il va dormir. C'est fini. Elle a récupéré son monsieur. Bah, est-ce qu'il cherchait des hauts strings là? Il a eu ça à la maison. C'est que la soeur, mon nom, ma grand-mère, c'est toi, je vois. Feu, ma grand-mère. Oulala, arrêtez vos comédies. Là. Laissez la grand-mère. Dans ses manches, elle mange les âmes, elle mange les narines des gens, elle mange les orteils, elle mange la cuisse. Laisse-la dans cette pratique, mais elle n'a rien à voir avec ça. C'est l'esprit du Kondjo là qui fait ça. Quelle la puissance de Dieu dans la sagesse. C'est comme une femme qui aime beaucoup parler quand tu bavardes. Et puis un homme aussi doit être aussi propre. Voilà, il doit être aussi propre. Et un homme aussi doit être propre. Il faut bien t'habiller. Voilà, il faut bien t'habiller. Il faut que tu sois propre, il faut que tu te laves bien. L'esprit de tuer des cabris. Ah, on a cet esprit-là, nous faut qu'on soit délivré de ça. L'esprit des cabris. Il y a des gens, ils se lavent une seule fois. Jakaura, ils savent quoi, Jakaura. L'esprit de cabris soit chassé de nos vies. L'esprit de cabris. Voilà. Voilà, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu nous délivre. Soyez propres. Voilà, entretenez les relations. Voilà, voilà, lance aux roquettes, c'est pas bon. Voilà, il doit être propre. Il doit être propre. Il faut bien t'habiller. Ok, excusez-moi. Que la puissance de Dieu vous visite, que la puissante main du Saint-Esprit vous visite. Recevez la gloire de Dieu chez vous. Recevez la main puissante du Saint-Esprit chez vous. La visitation du Saint-Esprit. La visitation du Saint-Esprit. La visitation du Saint-Esprit dans votre famille. La visitation du Saint-Esprit chez vous. La visitation de l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous délivre de l'esprit du célibat. Que Dieu vous délivre de l'esprit, n'est-ce pas, du célibat. De l'esprit du célibat.
de l'esprit d'envoûtement. Je déprogramme la maladie, la mort, l'humiliation sur vos vies. Et que cette année, fin d'année, que tout ce qui a été programmé contre vos vies soit annulé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit annulé dans le nom de Jésus. Que Dieu vous fasse rentrer dans les bénédictions du Seigneur. Recevez la gloire de Dieu chez vous. Recevez la main puissante de Dieu chez vous. Alors, demain à 20h, demain à 20h, nous allons, n'est-ce pas, commencer un enseignement. Je vais prier. Et je vais commencer à prendre les gens en ligne. Soyez scotchés demain à 20h. On aura les prières en ligne. Je vais prier pour vous. On aura ce qu'on appelle la consultation en ligne. Je ferai ça demain par la grâce de Dieu. Pour l'heure, soyez bénis, shalom. Bonne nuit à vous. Soyez délivrés. Recevez la grâce de Dieu. Dormez très bien sous la protection de Dieu. Je vous communique une onction particulière. Je vous communique la grâce de Dieu et que Dieu permet de rentrer dans la nouvelle année. Alors, on a demain le rendez-vous, demain, heure de l'Europe, à 20h. Voilà, heure de l'Europe, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, rentrer dans une autre phase de prière en ligne. Nous allons prier en ligne. Shalom, soyez bénis, prophète Joël Crasso.